Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 13 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, ne plus se mettre en colère jour après jour, j'ai pigé. Eh bien, je refuse que ma colère serve d'alibi à mon agresseur. Réaction banale. Au lieu d'entendre ce qu'on lui dit, l'autre ne perçoit que le niveau sonore et l'agressivité de nos propos. Il se transforme illico en victime. Une bonne stratégie pour éviter d'entendre des vérités qui le dérangent. Pour ne pas lui fournir cette arme, eh bien, il suffit de parler calmement. Aujourd'hui, j'ai pigé tirage au sort, hasard. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec hasard parce que, pour moi, le hasard n'existe pas. On peut voir sur cette image, je pense que ce sont des runes. Et encore une fois, le hasard n'existe pas. Il y a des opportunités qui vous est réservée, qui vous est offerte, mais il n'y a pas de hasard. Tout est bien programmé. Alors, une opportunité, peut-être pour certains d'entre vous, vous est réservée. Aurez-vous le courage de saisir la chance qui vous est offerte? Où allez-vous la laisser filer? Bonne question, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, votre vie va changer. Mais dans quel sens? Cela dépend de vous, n'est-ce pas? Vous seul êtes le capitaine de votre vaisseau. Vous demandez exactement ceci. Que quelque chose de différent, d'excitant se produise. Vous savez que vous ne vous contenterez jamais de vous reposer sur vos lauriers. Alors, si vous voulez vraiment pimenter votre vie, et vous savez que c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il est temps d'opter pour l'aventure. Sortir de votre zone de confort. La vie, elle se produit, n'est-ce pas, pour ceux qui prennent des risques. Et rien n'arrive à ceux qui n'en prennent pas. Alors cette carte, tirage au sort, eh bien, elle vient vous dire: allez-y, allez-y, sortez de votre zone de confort, explorez, même si vous êtes dans, que vous n'avez plus le contrôle, que vous ne savez pas où vous allez, explorez. Voilà le message. Petite incantation. Le sort est jeté, la première pierre est posée. Les décisions sont prises et les conclusions sont tirées. Néanmoins, je ne sais pas où placer ma volonté. Tenter ma chance ou alors rester sans bouger. Qu'allez-vous choisir? Tenter votre chance ou rester sans bouger? Il est un fait certain que plus vous vivrez d'expérience, plus vous vous sentirez fort et confiant, n'est-ce pas? On est ici sur Terre pour expérimenter. Accepter une opportunité qui vous permet de travailler
à atteindre votre plein potentiel. N'ayez pas peur de bâtir des bases solides lorsque la chance vous y autorise. L'univers, il est là pour vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, l'univers le sait. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous que vous pensez. Qu'il s'agisse d'une opportunité financière ou d'un changement d'avis ou un changement dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale. L'univers est bienveillant et il mettra sur votre chemin ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais ce qu'il y a de mieux pour l'univers qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous, n'est peut-être pas ce que vous pensez ce qui est de mieux pour vous. Donc, il est bon de faire confiance à l'univers. Quel beau message! Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. À demain.